style. Je te dis pour bien, moi aussi. Oui, bonsoir, comme ça je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les résistants de la planète. Bonsoir à tous ceux-là qui rêvent de voir un Cameroun meilleur s'élever. Je salue comme ça les uns et les autres. Merci pour tous ceux qui ont pris la peine de se connecter ce soir, partager et envoyer des cœurs. Le général va prendre une parole décisive ce soir. Ce que je vais dire est très important et je vais apporter un certain nombre de clarifications et de la lumière et donner les nouvelles orientations pour le combat. Oui, nous allons passer un moment agréable ce soir et un moment décisif. Vous savez, il y a un temps pour écouter les gens parler et il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour laisser la parole aux autres et il y a un temps pour reprendre la parole. Il y a un temps pour la donner, cette parole, et il y a un temps pour la reprendre. Il y a un temps pour écouter les uns et un temps pour reprendre la parole et laisser parler les autres. La vie, c'est quelque chose d'assez cruel parfois. Parfois, c'est dur. Parfois, c'est pénible. Parfois, c'est lourd, la vie. Aussi vrai qu'elle soit difficile et parfois embêtante, rien ne la vaut. C'est ça tout le mystère de la chose. J'ai dit bonsoir comme ça à tous ceux-là qui sont en train de se connecter. Oui. L'heure est venue de mettre un thème à un certain nombre de dérives qui prévalent dans la société que nous vivons. L'heure est venue d'apporter un certain nombre d'éclaircies. Oui, votre général se porte très bien. Oui, je me porte super bien. Je suis là. Ma caméra est renversée. Comment est-ce que je la mets? Comme ça? Ça va? Comme ça, c'est bon? Avec la caméra? Oui, je vais très bien. Nancy Forever, je suis là. Je crois que c'est ça le sens de la caméra, vous vouliez dire? C'est bon comme ça? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir Flore. Bonsoir Anno Foka. Bonsoir Céline Gomtomba. Justine Nounou, bonsoir, le général est là. Très bien portant d'ailleurs. Oui, je vais super bien. Ah, je suis aussi en noir ce soir, oui. Vous voulez savoir certainement pourquoi? Partagez et envoyez des cœurs. Envoyez simplement des cœurs, on se donne 5-10 minutes comme ça pour commencer. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, merci, c'est super. Ok. Thomas? Oui. Oui. Bonsoir à tout le monde. Faites des partages et envoyez simplement des cœurs. Nous commençons dans 5-10 minutes, le temps qu'on atteigne un quota assez. Faites envoyer des cœurs, tout simplement. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Oui. Allô? C'est toi, Thomas? Non, non. Tu m'as pas. Je n'ai pas encore. Il faut patienter que le nombre augmente. Oui. Parce que le poste par exemple, Moïse Camteur est encore en ligne. Dès qu'il est fini, je vois déjà.
Oui. J'ai pas de quoi, là. Tu peux mettre la musique et tu quittes ta chaise, tu piques pas mon sur le direct, que le direct commence dans quelques minutes et tu laisses toute la musique. D'accord. C'est devant l'écran. Tu vois, non? Oui. Oui, nous sommes là. Donc, je vais mettre une musique. On va commencer avec une musique simple. Franck Kevin, bonsoir. On va écouter comme ça une petite musique. De Valsero, bien sûr. Cet artiste-là qui a donné sa vie. Oh, Nancy Rover, je te dis bonsoir. Bonsoir, Nancy. Mireille, bonsoir. De Leeds. Bonsoir. Yolande Kwam, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Borel. On va écouter une musique comme ça de... Connectez-vous et partagez des cœurs. Oui, on m'a dit que le MRC est en direct. Donc, on va juste écouter une petite musique. Il finit dans 5 minutes. 5-10 minutes. Le temps que on se mette à jour. On écoute la musique. Joy Mec, il faut les laisser juger. Joy Mec, il faut laisser juger. C'est pas grave. On connaît tout celui qui signale. On le connaît. On le connaît. Pépin, l'homme fort. L'avocat qui tétanise et tyrannise les uns et les autres de par ses écrits percutants et pompeux. J'aime ta façon et ton style, Pépin. Tu es un avocat compétent. Roselyne Mevaco, je te dis bonsoir. C'est super. Imagine alors. Nancy, on sait qu'ils sont là. On les connaît. C'est le début des souffrances, mais nous sommes là pour changer la destinée d'un peuple et non des individus. Le sort du Cameroun est plus important que tout. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Les petites guéguerres, ça ne nous intéresse pas. Le peuple a tranché et on doit avancer. Ah oui, Alex Happy, je te dis bonsoir. La patrie ou la mort. Ah oui, Marcelo de Stuttgart, nous vaincrons. Céline Gotomba, on connaît tout ça. Mary Jan. Gottlieb, bonsoir. Ah oui, Fautin Marilou, je suis en forme. Votre général. Nous sommes là, bien portant. Le combat continue, personne ne peut enlever en moi cette foule. Je vous ai promis, vous le peuple, et je tiendrai ma promesse, celle de dégager Biya, coûte que coûte. Regardez comment le président élu est en prison. Regardez comment un régime tyrannique se permet d'enfermer et d'arrêter tout le monde. La névrose, Flor Aïe, je te dis bonsoir. Vive la révolution. Joy Mec, sois tranquille.
Nous avançons et le combat continue. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est la vie de ces Camerounais. Le plus important, c'est combien de personnes meurent chaque jour. Voilà ce à quoi nous sommes tenus de réfléchir. Voilà les solutions que nous devons trouver, que nous devons apporter aux Camerounais. C'est ça qui est important. Regardez les gens qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest chaque jour. C'est ça qui est important. Combien de personnes? Ce régime tyrannique de Biya tue combien de personnes chaque jour? Ce régime tyrannique embrigade la liberté de combien de personnes? Voilà là où est le combat. Le combat n'est pas contre les uns et les autres. Le combat n'est pas contre les individus. Ceux qui ont visé un des individus ont échoué. Ceux qui ont visé le général ont échoué. Il faut viser et tout dit. Il faut viser et tout dit. C'est ça le plus important. Et c'est là où est tout l'enjeu du problème. Comme tout pour vous. Vous savez, Kachkov, mais je te dis bonjour, bonsoir. Il y a quelque chose qui est fondamental. C'est très important. La vie, c'est aussi la capacité et la possibilité de s'affirmer et de s'assumer. C'est très important. Il faut que les gens comprennent que nous allons commencer d'ici 2, 3 minutes, 5 minutes, je crois bien. Le temps que le porte-parole du MSC termine son live, je crois que c'est dans 5, 10 minutes. Et nous allons lancer les hostilités. Vous aurez la parole pour poser toutes les questions qui vous intéressent, toutes les questions qui vous plaisent. C'est ça le plus important. Bia est en train de nous distraire. C'est ça. C'est ça le plus important. Je vous ai fait le serment de vous libérer de ce tyran. Et je tiendrai ma parole, coûte que coûte, advienne que pourra. Advienne que pourra. Dieu est grand. Ah oui. Vous savez, pour dégager Biya, il faut avoir le goût du risque. Les gens croient que c'est derrière les claviers qu'on peut mener une révolution. Ce n'est pas les claviers. Derrière les claviers, on peut regarder la révolution, suivre son cours. Derrière les claviers, on peut entraîner le cours des gens naïfs, des anti-révolutionnaires. Mais le goût du risque, le goût du risque, pour dégager bien, il faut avoir le goût du risque. Il faut oser. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Sinon, ils vont nous couper le direct. Faites des cœurs, s'il vous plaît, et partagez. Je vous en supplie. C'est intéressant. C'est important autant pour moi. Merci. J'aime cette promptitude à l'obéissance. C'est très important. Vous m'avez fait confiance. Vous m'avez donné le mandat de libérer ce pays, de vous libérer de ce tyran. Et je vais tenir à mon engagement. Les actions arrivent et elles seront dangereuses. Vous savez que j'aime le danger. Votre général aime le danger. Et je suis là pour vous, pour prendre les risques pour vous. Personne ne peut enlever cette
Ein. Personne ne peut me distraire. Personne. Mon équipe et moi, nous sommes focalisés vers la destination. Nous avons mis le cap sur étudier. Et rien ne va nous épargner. Suzy Béa, bonsoir. Ah oui, rien ni personne ne va nous distraire. Le goût du risque, c'est très important. Et parfois, il faut, pour risquer, avoir vraiment des tripes et les avoir solides et en plein. Entrer dans l'ambassade comme... Mettre les pieds sur sa table. Et prendre le bureau en otage et le déclarer révoqué et relevé de ses fonctions. Il faut vraiment avoir un gros cœur pour le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela. C'est pour ça que je respecte votre choix, vous le peuple. Et c'est pour ça que je vous aime. Parce que vous avez su vers qui miser. Et vous avez su sur qui miser. Ça, c'est important. Je vous ai dit et je vous le redis encore. Le cap est lancé sur étudier. Quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce que les gens nous disent, nous n'allons pas les gérer. Nous n'allons pas gérer cela. Nous avons mis le cap désormais sur étudier. Et je ne suis pas un général que quand étudier va tomber, je serai en Europe. Il faut oublier. Je ne suis pas le genre de général qui va attendre que Étoudi tombe pour qu'il aille au Cameroun. Je ne suis pas de cela. Je suis le genre de général qui va aller à Étoudi au Cameroun avant qu'Étoudi ne tombe. Parce que si j'aime le goût du risque. Le risque de ça, c'est quoi? Le goût de ça, c'est quoi? C'est que tu peux arriver au Cameroun deux jours avant, alors que la tombée, la chute du tyran était prévue pour les deux jours d'après. Mon frère, il ne tombe pas. C'est ça le risque. Et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que vous avez choisi de faire de moi le général de cette révolution. Parce que c'est ça le risque. Le risque, c'est que tu arrives au Cameroun. Toute la logistique est prévue pour que le tyran tombe. Toute la logistique est prévue pour que le tyran tombe. Et une fois au Cameroun, il y a une situation. Retournement. On appelle ça, quand on étudiait la littérature, pas la littérature, le cinéma, parce que j'ai fait option d'études cinématographiques. On appelait ça, c'est comme un nœud dramatique dans le film. C'est un nœud dramatique, c'est-à-dire retournement de situation. Tu te retrouves dans le pays des Bia. Et tout est prévu pour sa chute. Vous avez tout organisé, tout arrangé. À la dernière minute, il y a retournement de situation. Tu es au Cameroun. C'est comme se retrouver dans la cage du lion. Et c'est ça le risque. C'est ce genre de risque-là que j'aime. Et c'est pour ça que vous m'avez choisi. Quels sont ceux qui envoient les têtes de mort là? C'est qui? Est-ce que tu es obligé d'être là? On connaît d'où vous venez. C'est qui? Donnez-moi son nom. On l'identifie. On va faire comme les gens font souvent là. Il sera fumé. Comment il s'appelle?
Envoyer des cœurs, tout simplement. Comment il s'appelle ce mec-là? Marie, ça c'est qui? Marissa Kennedy. Est-ce que tu es obligée de venir ici, ma fille? Pourquoi les gens aiment les problèmes comme ça? On connaît d'où tu es. Et d'où tu viens. Mais on ne connaît, on ne donnera pas le plaisir à ceux-là de parler d'eux. Nous, on est au-dessus de la médisance et de la médiocrité. On a le cap viré vers étudier. J'étais en train de vous expliquer une situation rocambolesque. Et j'ai peur que ça arrive, mais ça ne va pas arriver. Parce que je vous disais tantôt que je ne suis pas de ces généraux-là qui restera ici au Cameroun. C'est que ceux qui sont à bloquer, vous me dites, et qui attendra que Étoudi tombe pour que nous nous lancions à la conquête. Je ne vais pas attendre ici en Allemagne que tout dit tombe pour que j'aille au Cameroun. C'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas moi. Parce que c'est moi qui organise la chute de ce régime. C'est ça le goût. Vous m'avez donné le mandat de le faire. Vous m'avez donné le mandat de le faire. Et j'ai pris ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de précision. Je vais le faire avec beaucoup de fierté pour vous rendre honneur et pour vous faire plaisir. Parce que c'est vous qui décidez. En fait, j'ai un seul boss. C'est ça qui énerve beaucoup de révolutionnaires. Mon seul patron, c'est vous. C'est vous le peuple. C'est vous qui décidez. Le seul boss que j'ai, c'est vous. C'est vous qui dites. Si vous me mettez en retraite, vous me mettez en retraite. Ah, si vous me mettez en retraite, c'est une bonne chose, hein, je vous assure, vous le peuple. Si vous me mettez en retraite, c'est une très bonne chose. Ça fait que j'aurai au moins le temps de m'occuper de mes enfants. Je vous assure que depuis que vous m'avez donné ce contrat, depuis que vous m'avez fait confiance, vous m'avez donné la lourde responsabilité sur mes maigres épaules de libérer le peuple camerounais, de chasser, d'arrêter, de faire fouetter ce tyran dans une fessée nationale, fessée publique. C'est lourd, je vous assure. C'est très lourd. Je porte ça sur moi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. J'ai une équipe formidable derrière moi. Formidable. C'est pour ça que je peux toujours me vanter. Ceux qui étaient à Berlin, ceux qui n'étaient pas à Berlin, les gens regardent et voient le général El Tchenou. On croit que c'est moi le problème. Parfois, quand je dis « je parle de moi », c'est pas de moi. Il y a toute une équipe compétente. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Des gens qui sont avec moi jour et nuit. Qui se battent pour que ce pays soit libéré. C'est très important. Il faut que les gens le comprennent. Et le peuple que vous êtes, je vous l'ai dit et je le réitère, vous êtes mon seul chef. Je reçois les ordres du peuple, c'est tout. C'est pour ça que quand les gens étaient attaqués, c'est vous qui avez tranché, c'est vous qui m'avez vengé. Et entre vous et moi, il y a une relation fusionnelle.
Il y a une relation d'amour. Il y a une relation d'amitié. Il y a une relation de confiance. Bloc préside du Cameroun. Préside Cameroun. Calibri, Calibro, mon général, je te dis un bonsoir particulier. Préside du Cameroun, c'est qui? On va le voir où? Donc, j'étais en train de dire que c'est vous qui décidez. Si vous voulez m'envoyer à la retraite, vous m'envoyez à la retraite. J'aurai au moins le temps, comme je vous le dis, de m'occuper de mes enfants. Ça, ce sera très important. Mais, vous avez décidé de renouveler ma mission, de me confier des tâches encore plus nobles, plus lourdes, et j'en ai pris compte. Vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup ému, et vous m'avez fait chaud au cœur, parce qu'alors que j'étais attaqué par des gens de partout, venant de je ne sais où, c'est vous qui avez pris ma défense. C'est vous qui m'avez vengé. C'est vous qui avez dit non, pas notre général. Pas le leader de la révolution. Pas le commandant de la révolution. Vous avez pris ma défense. Et vous avez envoyé cela se balader. Il n'y a pas une relation de confiance meilleure que celle-là. De voir le peuple défendre ses intérêts, défendre. La vie, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et comme je vous le disais tantôt, je ne suis pas de ces généraux-là qui attendra que Biya tombe pour descendre au Cameroun. Jamais. Faites-moi confiance. Si vous entendez que Biya est tombé, ou bien est tombé, ou que va tomber, soyez sûr que si Biya est tombé, c'est que moi je suis déjà au Cameroun. C'est que je suis au Cameroun. Il y a quelque chose. Oui, Jean Désiré. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien, s'il te plaît? Donc, je disais tantôt que je ne suis pas de ces généraux-là qui attendra que Biya tombe et qu'il aille au Cameroun pour jubiler la chute du lion. C'est vous qui m'avez nommé général. C'est vous qui pouvez me défaire de mon grade de général. Il n'y a personne, je l'ai reçu de personne. Et je le dis encore clair, haut et fort. Je n'ai reçu ce grade de général de personne, sinon c'est vous, le peuple, qui me l'avez conféré. C'est vous qui avez fait de moi le leader incontesté et incontestable de la révolution. C'est vous qui m'avez fait commandant du train de la révolution. C'est vous qui pouvez me défaire de ce grade. Je suis en train de chercher comme ça. Jacques Thionna, mon ami personnel. Le général. Comment j'arrive pas à voir Jean Désiré? Je te vois pas. Nadren, bonsoir. Je vois pas, JD. Qu'est-ce qui ne va pas?
JD, envoie le truc que je clique sur toi directement. Bon, on va commencer d'un moment à l'autre. Vous savez, la vie d'un révolutionnaire est semée de beaucoup d'embûches. Beaucoup d'embûches. Jean Désiré, tu peux sortir, tu me renvoies le truc, s'il te plaît. Oui, nous allons commencer comme ça, dans une minute, je crois bien. Dans une minute, nous pouvons commencer. Patty Okam, mon ami personnel, je te dis bonsoir. Maureen l'Africaine, la combattante depuis les États-Unis, bonsoir. Brand Désiré, les bombes arrivent, elles sont là. Est-ce que le combattant JD peut me renvoyer la demande, s'il vous plaît? C'est important pour qu'on lance les hostilités, qu'on commence. JD, je veux te voir défiler sur l'écran. Écris un mot, s'il te plaît. Non, je veux te voir défiler. Écris un mot, peut-être genre bonsoir. Je n'arrive pas à te prendre. Je ne sais pas. Écris sur l'écran. Je veux te voir défiler sur l'écran et te prendre sur l'écran en direct. Écris un mot que je te vois passer. Plusieurs, s'il te plaît. Je n'arrive pas à te prendre. Ange Michel. Bonsoir. Ton général est là, bien portant. Je crois que tu appelles depuis Douala, Ange Michel ou Yaoundé. Est-ce que JD peut m'envoyer, peut écrire sur l'écran que son nom défile là simplement? Leslie Brand Josier depuis le Canada. Bien. Et le pays encore bien. D'accord. Je crois que je vais salut, général. La caméra comme ça. Oui. Il faut tourner la caméra. Oui, j'ai tourné. Je crois que c'est bon. C'est bon comme ça. Bon, c'est renversé. Toi, j'ai renversé c'est le bon. Mien aussi. Ça veut dire qu'il faut mettre donc comme ça. Active la rotation de ton téléphone. Non, active comment ça vient active là. Active la dit... rotation de l'écran. Pardon? Il faut activer la rotation de l'écran. On active ça où alors? Je pense que sur les Android, il faut juste baisser l'écran et puis. C'est sur le iPad. Ah, ben là, je ne sais pas. Je ne suis pas un iPad fan. Je suis calé dans les produits Samsung. Mais dans ce cas, ce n'est pas grave. Si ça n'arrive pas à roter, alors on peut laisser comme c'est là. Mais je pense que tu as l'habitude de roter, non? Oui, j'avais roté la dernière fois. Je ne sais pas qui a touché à quelque chose qui me permette de ne pas roter. Mais je crois que j'avais roté la dernière fois. J'avais la dernière interview qui m'a été faite, c'était en roté. C'était roté, quoi. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas où je dois toucher. Ben, je voulais qu'on sorte sur la moitié de l'écran chacun, quoi. Quand moi, je rote comme ça, ça rote chez toi? Oui, ça rote chez moi. Chez toi, je te vois là bien. Ouais, ça veut dire que tu dois trouver un moyen de roter. Oui. Ouais. J'ai pas besoin de tourner. On
me dit, quelqu'un me dit là que j'ai pas besoin de tourner. Je dois laisser comme ça. Non, Ça, laisse comme c'est c'était là. Laisse comme c'était là. Pour moi, maintenant, c'est penché, c'est renversé. Comme c'était avant, là, c'est bon. comme c'était avant, c'est-à-dire comme ça. Ouais, comme ça, c'est bon. Ouais. Comme ça. Ça va. Voilà. Ben, si tu touches, regarde, si tu touches la photo, là, normalement, il apparaît sur l'écran un signe pour Ah, roter. ta photo. Non, ben c'est pour changer de caméra. Bon, d'accord, ça va. C'est bon, moi je te vois tout droit là. Tu me vois tout droit. Ouais. C'est bon comme ça va. Ouais, je pense là c'est bon. C'est bon, je suis bien visible. C'est bon. Ouais, général. C'est bon. OK. Ouais, je trouve que tu as très bien fait de d'attendre un peu parce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui était en live Oui. et c'était bien d'attendre que les gens se libèrent de l'autre côté. Ouais. Alors, mon général, la forme. Oui, je vais super bien, je vais très bien d'ailleurs. J'ai passé une excellente journée. Ouais. J'aimerais aussi dire au peuple qui m'écoute ce que j'ai mangé aujourd'hui. J'ai Ah, mangé, le général a excellent. mangé, j'aime beaucoup le riz, votre général aime beaucoup du riz. Je mange Ah, le ben riz oui, hein. presque tous les jours. Presque tous les jours. Mais Presque tu tous les jours. sais, au Cameroun, une fête sans riz, c'est une fête qui n'a pas réussi. Ah oui, parfois, Hein. je suis tombé sur des personnes qui me disaient, non, j'ai mangé le riz toute ma vie, j'aime plus le riz. Je ne sais pas comment quelque chose qu'on aime, on peut se rassasier ou se lasser de ça. Moi, j'ai mangé le riz toute ma vie, j'aime le riz et j'aime toujours. Je ne supporte pas les pâtes, curieusement, mais très rarement. Très rarement, une fois après 2 mois, une fois par mois. Ben, un petit boxé, un mélange de pâtes, de riz et du haricot, Oh, le jazz c'est une. alors, là, comme on Ah ouais, l'appelait au Cameroun, le ça fait jazz. beaucoup de calories, hein? J'aime beaucoup le Ça fait jazz. beaucoup de calories. Ouais, j'aime bien le haricot. C'est super. Ah, ça c'est super. On C'est me dit de vraiment tourner le super. téléphone. Tourner le téléphone comment? Les gens me disent de tourner le téléphone. C'est comme ça? C'est ça? Non, non, c'est pas correct. C'est pas Je correct. pense que Il y a un truc là, parce qu'il il y a un truc fallait. qui arrive, qui m'affiche, qui me dit l'écran, qui me dit il faut roter l'écran, ou c'est quoi la rotation de l'écran. Ouais, appuie dessus, essaye de roter, voir. Mais quand j'appuie dessus, ça fait rien. Vous savez, la technologie et le général. Ce que je sais faire au mieux, c'est les techniques pour arrêter Bia et le chasser. Voilà là où ma tête réfléchit mille. Quand c'est les autres choses là, il faut tourner les caméras. Où sont même les caméras là? Quelqu'un me dit de tourner les Ouais, ben caméras. général, tu as beaucoup de combattants pour te servir. Tu as beaucoup Vraiment, de combattants. Donc, c'est votre travail ici. concernant ce domaine-là, je pense que on a besoin de tes compétences dans un autre domaine. Ah, merci. Merci de le reconnaître parce que je ne voulais pas passer pour. Je suis fatigué avec la technologie. Tous les jours, ils créent des nouveaux trucs et tout, et tout, et tout. Donc, iront. D'accord. Me voici, monsieur Jean-Désiré. Comment était ta journée? Ben, tu sais, comme d'habitude, travailler, 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 et en soirée, se remettre dans le prochain travail qui va souvent jusqu'à très tard la nuit. Mais c'est ça, c'est ça. C'est pas facile, mais il faut tenir le coup. Ouais. Les gens Il faut disent de tenir le tourner, ils coup. veulent qu'on tourne quoi? Ouf. Dans tous les cas, moi je me vois droit et pourtant mon téléphone est tourné. Mon téléphone est à l'horizontale, Oui. mais la photo est correcte.
C'est-à-dire, si je rote mon téléphone, Oui. alors l'image rote aussi avec. Oui. Ouais, donc moi je pense que. Mais chez toi, ça ne fait pas ça. Ça fait pas ça. Mais bon, c'est pas grave, général. Oui, on va continuer. Ouais. Alors, général, nous savons tous que tu es le général de la Révolution, l'homme qui n'a peur de rien, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui a donné le goût à la Révolution. Ça ne veut pas dire que la Révolution est bonne à manger, mais juste que, Ah oui, ça a avec ton changé. courage. Ça a changé maintenant. Ah bon? Ça, c'est Oui. super. Attends, non, je vois pas bien. Je vois pas, mais. Mais ça a encore gâté tout. Attends. On me dit de me demander de router mon téléphone, papa. Les gens croient que c'est facile comme ça. Non. Moi, je vais tourner ça comment? Je fais comment maintenant? J'ai cherché quelque chose que je n'arrive pas à suivre. Ça va, c'est Alors, bon? général, c'est bon? C'est bon? Ouais, d'accord, ça marche. C'est Tu bon pouvais pour ajouter toi? la luminosité. Tu pouvais ajouter la luminosité chez toi. Faire en sorte que il y ait plus de lumière. On te Allô, demande de tourner général? ton appareil. De tourner le mien. Oui. Comme ça, comme ça. Comme ça, c'est bon. Oui, moi, pour moi, ça va. On dit que le problème, c'est l'invité et non moi. Ah, d'accord. Bon, je peux tenir mon appareil tout droit, hein, Oui, comme c'était tout à mets l'heure. le tien tout droit. D'accord. Mais là, comme ça, c'est bon. Chez moi, ça va. Bon, toi, tu es renversé, mais c'est pas grave. Je suis renversé. Ouais. Mais les invités disent que chez moi, ça va. Toi, tu me vois renversé comment? Ben, c'est pas grave. Si les invités te voient correct, ça va. Ouais. C'est bon. Ok, ça va. Ouais, en tout cas, on continue. On dit que le général aussi doit tourner. Apparemment, c'est chez toi que c'est bon, chez moi, c'est plus bon. Moi, je peux tourner dans tous les sens, hein. Ça ne me gêne pas. Général est renversé. C'est même que l'histoire de caméra qui me renverse là. Bon, général, je pense que demande aux gens la position qui passe et dès que c'est la position qui passe, tu laisses comme ça. D'accord? Oui. Dites-moi s'il vous plaît quelle position est la meilleure. Il faudrait qu'on te dise juste rote de tel nombre de degrés. Alors, ce sera bon. Ils disent que ma photo, que mon image est bonne.
Alors, et que toi, tu es à l'envers. Essaye de roter ta caméra de 45 degrés. En fait, de 90 degrés. Rote encore de 90 degrés. Je rentre encore de 90 degrés. Voilà, pour moi, c'est normal maintenant. C'est bon. Ben, il faut savoir que quand tu tournes ta caméra, bon, il peut arriver que ça mette un peu long pour tourner chez les autres. Hein. Peut-être que ça n'agit pas directement. Donc, c'est possible. Alors, les gens disent que c'est bon. Donc, on reste comme ça. Les gens disent que c'est bon. Ouais. D'accord. C'est bon? Alors, général, Oui. ce soir, j'ai l'honneur de passer quelques minutes avec toi, peut-être une demi-heure. C'est dans le sens de poser quelques questions, juste pour savoir ce que tu penses des actualités actuelles et puis surtout concernant la lutte pour la libération du Cameroun, dont tu as pris le flambeau et depuis ce temps, tu le portes aussi très haut. Je tiens aussi à te féliciter pour le travail que tu fais et avec, sans oublier ton équipe, tous ceux qui sont derrière toi, tous ceux qui te soutiennent, tous ceux avec qui tu travailles. J'aimerais aussi remercier tous les combattants qui te soutiennent partout dans le monde, en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Cameroun, un peu partout en Espagne, en Italie et en Suisse, partout où il y a une forte communauté de Camerounais, ou même moins forte. Alors, tous les Camerounais sont derrière toi parce que tu mènes un combat noble. Alors, général, ce que j'aimerais savoir, et certainement beaucoup de personnes qui nous suivent, c'est de savoir ce qui te pousse à mener ce combat. Avant ce combat, tu étais certainement un Camerounais comme les autres, comme moi, comme tous ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu deviennes ce combattant féroce et tenace que tu es aujourd'hui? Vous savez, merci beaucoup pour la question, Monsieur Jean-Désiré, merci encore. Merci, je salue comme ça d'abord tous les combattants, tous les révolutionnaires, tous les Camerounais et le peuple camerounais en général. Je dis merci à tout le monde. Oui, je vais être clair, avant d'entrer dans ce combat, j'étais un Camerounais comme tous les autres, oui. Mais un Camerounais quand même assez têtu et assez perspicace dans ses résolutions. Il y a deux choses qui m'ont poussé à entrer dans la scène de la manière la plus violente. Parce que il faut le rappeler, je suis quelqu'un d'assez violent. Pas violent dans le sens de la violence physique, mais dans le sens de la violence des idées, de la violence de mon idéal, de ce que je défends. Et de ce en quoi et en qui je crois. C'est très important. La première raison qui me pousse à entrer avec force et violence dans le combat, c'est le hold-up électoral. Le hold-up électoral qui fait voir et qui montre l'incompétence, je l'assure, et l'injustice en plein jour du régime de Biya. C'est-à-dire, nous avons vu à partir du hold-up électoral comment un régime peut être despotique, incompétent, avec toutes les injustices de la terre. La deuxième chose, c'est l'intelligence du président élu. Ça m'a touché. J'avais jamais vu quelqu'un d'aussi poignant, d'aussi efficace, avec sa corde d'avocat. Pour la première fois, j'ai dit s'il m'était donné de refaire des études. Et je me suis même dit, je crois, je me souviens très bien. Le soir, lors du procès et des procès électoraux de la commission de la Cour constitutionnelle, j'ai dit,
Je ne mourrai pas sans devenir avocat. J'ai aimé cette fonction. J'ai aimé, j'ai vu des gars se battre pour une cause. J'ai dit, waouh, que c'est passionnant le métier d'avocat. Donc voilà les deux choses qui me poussent à entrer avec violence. Comme je ne pouvais pas refaire les lois, comme je ne pouvais pas rentrer encore à l'école pour devenir avocat, j'ai dit, il faut lutter avec ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la fougue, j'ai la hargne, j'ai la combativité. Et le peuple l'a confirmé en faisant de moi celui-là qui peut mener cette bataille. Et je le prends, cette responsabilité, je la prends autant pour moi, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Merci. Général Echenu, Oui. le peuple vous a fait confiance. Une confiance qui se manifeste sur plusieurs domaines. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le peuple met autant de confiance en vous. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais que vous essayiez de montrer, d'expliquer pourquoi vous êtes habillé en noir. Aujourd'hui, pourquoi Oui, ce noir? déjà pour le deuxième élément de la première question, j'aimerais dire que la sagesse et l'intelligence du président élu reposaient sur son programme. Et quand j'ai examiné le programme de ce monsieur, j'ai vu qu'il était bâti sur l'un des modèles de programme de gouvernance et de modèles politiques les plus puissants au monde, c'est-à-dire celui de l'Allemagne. Il a exactement copié son programme sur le modèle de gouvernance allemand. Je me suis dit, waouh, quel génie! Et cela m'a fait beaucoup réfléchir. Comme je vis en Allemagne, je me suis dit, si ce monsieur avec de telles idées pouvait accomplir son projet au Cameroun, je suis sûr d'une chose, c'est que je rentrerai au Cameroun le lendemain. Et c'est pour ça que nous nous sommes engagés dans cette bataille. C'est pour ça que j'ai rejoint les côtés, le peuple, pour mener cette bataille. Deuxième élément de la question, pourquoi être habillé en noir? Je suis habillé en noir aujourd'hui simplement par solidarité. Par solidarité à toutes les femmes, toutes les mères, toutes nos filles, toutes nos sœurs, toutes nos épouses. Oui, par solidarité parce que quand le régime tyrannique de Biya est en train de tuer tous les anglophones dans le nord-ouest et le sud-ouest, il est hors de question que le 8 mars soit célébré avec faste, alors que nos sœurs, nos mères sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, embrigadées dans les forêts au Nigeria, dans les forêts dans ces zones du pays, en train de souffrir. C'est un élan de solidarité. Et le général Elchenou est un homme humble qui comprend aussi les doléances du peuple et qui se met aux côtés de la veuve et de l'orphelin. Je suis habillé en Alors, noir pour cela. Merci. merci pour la réponse. Je pense qu'elle était très, très précise. Alors, le noir, c'est un signe de solidarité pour nos sœurs, nos mamans, toutes les femmes, celles qui souffrent sous ce régime, si je vous ai bien compris. Oui. Et ça explique aussi pourquoi vous êtes autant engagé dans cette lutte. Alors, général, elle chez nous. Concernant l'amour du peuple envers vous, qu'est-ce qui explique, comment avez-vous fait pour gagner le cœur des Camerounais? Est-ce juste parce que vous avez un joli visage, comme ça se voit, ou bien c'est dû à un certain nombre de choses dont certains ne sont pas au courant? Qu'est-ce qui explique cet amour, pourquoi le peuple te soutient, vous soutient autant? Vous savez, dire que le peuple aime le général Etchenou parce qu'il est beau, je ne suis pas le plus beau. C'est vrai que je crois que je suis beau, mais je ne suis pas le plus beau. Vous êtes, par exemple, Jean-Désiré, certainement plus beau que moi. Ça se voit. Vous savez. Je suis un vieux papa, hein? Le Vieux papa, alors. général Etchenou a cette particularité que je suis un homme déterminé. Je suis un homme audacieux. Je suis un homme zélé et je crois que c'est ça que le peuple a trouvé en moi. Et c'est ça, ce sont ces qualités-là
qui font que le peuple me fasse confiance. Parce que le peuple voit en moi celui-là même qui est capable de mener le train de la révolution jusqu'à étudier. Parce que je suis fougueux, comme je le disais tantôt. J'aime ça. J'aime le goût du risque. J'aime prendre des risques. Et le peuple l'a si vite compris que le peuple m'a adopté et a posé sur mes épaules si frêles une trop lourde et grande responsabilité que j'ai pris avec beaucoup d'humilité et pour lesquelles je veux en faire la bataille de ma vie pour ne pas décevoir ce peuple. Vous savez, la tyrannie de Biya dure depuis 37 ans. Il a fallu qu'à un moment donné, que se lève une génération, que se lève un peuple pour résoudre ce problème. Et le peuple camerounais, conscient des enjeux, a fait son choix. Merci. Général Eshino, Bon. j'ai pris la peine de vous écouter. Les gens disent que vous avez l'habitude d'utiliser le jeu. Le jeu que vous utilisez, pouvez-vous expliquer pourquoi vous utilisez très souvent le jeu et non le nous? Ah, une très belle question. Vous savez, lorsque je parle, l'utilisation du jeu renvoie à quoi exactement? Lorsque vous êtes investi d'une mission, lorsque le peuple vous a fait confiance et a posé, comme je le disais tantôt, sur mes épaules si frêles, une trop lourde responsabilité, quand je parle du jeu, je veux, par cette parole, par ce pronom, dire au peuple que j'ai accepté la mission que vous m'avez donnée. Oui, moi, en tant que général, j'accepte de porter ce fardeau. J'accepte d'accomplir la tâche que vous m'avez confiée. J'accepte le lourd tribut que vous avez posé sur mes épaules. Pourtant, je ne suis pas seul. Je suis entouré d'une formidable équipe. Je suis entouré de personnes qui, de jour comme de nuit, travaillent ardemment pour que soit accompli le dessein du peuple camerounais. Nous avons une seule mission, c'est libérer le Cameroun du joug de la tyrannie de Biya. Nous voulons et nous devons chasser Biya. Ça, c'est la mission que le peuple nous a confiée. Donc, quand je parle du jeu, c'est une façon pour moi de revenir vers le peuple pour dire, cette mission que vous m'avez donnée, cette tâche que vous avez mise sur mes épaules, je l'accepte volontiers. Je l'accepte très volontiers. Et c'est à ça que renvoie le jeu. Mais il n'est pas sans oublier que nous, je vais chuter ainsi, sommes entourés. Nous, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je travaille avec une lourde équipe. Et cette équipe est suffisamment qualifiée pour comprendre les enjeux de la question et répondre aux désirs du peuple camerounais. Merci, Jean-Désiré. Merci, Général Eshino. Alors, le jeu signifierait que vous portez la lourde charge sur vos épaules. Le jeu signifierait que vous avez Exactement. accepté Ah oui. cette charge. Vous avez accepté la tâche qui est de conduire le train de la révolution Oui. jusqu'à où, vous pouvez rappeler? Où est-ce que votre train compte s'arrêter, Général Eshino? Il y a un arrêt définitif à ce train. Il faut que les gens se rendent bien à l'évidence. Et le peuple en est conscient. Le train de la révolution s'arrêtera à Étoudi. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et cela ne souffrira d'aucun doute ou d'aucune mésaventure. Le train de la révolution a une destination finale. Il y a des arrêts intermédiaires intempestifs, mais la destination finale, c'est bien, bel et bien étudiée. Nous allons garer ce train
dans étudie, et c'est là que se jouera tous les enjeux de la question. J'aime beaucoup expliquer et paraphraser. Je vais vous prendre un exemple. Le train de la révolution est semblable au train que les gens prennent tous les jours. Pour ceux qui sont dans les grandes villes, quand vous entrez dans un train, il y a des arrêts. Le train a la direction, je sais où. Il va à une direction. Il y a des arrêts intermédiaires. Quand il s'arrête, d'autres entrent, d'autres sortent. C'est comme ça la vie de la révolution. Il y en a qui vont entrer dans la révolution, il y en a qui vont sortir. Il y en a qui vont entrer par eux-mêmes, il y en a qui vont sortir par eux-mêmes. Il y en a qui vont entrer parce que forcés par le peuple, il y en a qui vont sortir parce que forcés par le peuple. Il y en a qui vont entrer pour les desseins personnels, il y en a qui vont sortir parce que n'ayant pas vu s'accomplir ces desseins personnels. Il y en a qui vont entrer pour une mission spécifique et il y en a qui vont sortir parce qu'ils ont fini d'accomplir leur mission spécifique. Il y en a qui vont entrer croyant faire X et ils vont ressortir parce que n'ayant pas pu atteindre le X. C'est tout simple. Et il y a quelque chose de bien dans cette histoire, dans cette allégorie, autant pour moi, c'est que le train de la révolution est un filtre permanent. Il est un filtre, c'est-à-dire il esquive et annule lui-même tous les déchets de la révolution. Tout ce qui n'est pas utile à la révolution vont se retrouver exclus naturellement. C'est ça le processus bénéfique et louable qu'est la vie révolutionnaire. Il y aura une station où plusieurs personnes entreront, seront nombreux, mais ça ne veut pas dire que cela donneront une autre direction au train. Ce n'est pas parce qu'à une gare X sont entrées 100 personnes que les 100 personnes vont changer la destination ou l'itinéraire du train. C'est impossible. Le train a sa direction. Si une seule personne entre, il va à sa direction. Si 100 personnes entrent, il va à sa direction. C'est tout simple. Donc, il faut que les gens arrêtent de croire que parce qu'ils sont nombreux dans une étape particulière du processus de la révolution, alors c'est à eux de décider de la vie de la révolution. C'est impossible. C'est un leurre. C'est un leurre. Le train de la révolution a été lancé longtemps avant vous. Même si vous entrez 1000 à une station, vous ne changez pas la direction du train. Jamais. Nous l'avons lancé depuis Berlin le 20 octobre et il ira jusqu'à Étoudis. Merci. Parlant d'étoudis, général, quand on parle d'étoudis, ça me rappelle le palais présidentiel. Et dans ce palais se trouve un monsieur qui s'appelle Paul Biya. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur, le président actuel du Cameroun? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Wow. J'aime cette question. Qu'est-ce qu'on reproche à Paul Biya? Demandez aux gens d'envoyer des cœurs, s'il vous plaît. Si les cœurs ne passent pas, ils vont couper. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Paul Biya? La question, j'aurais bien aimé que vous me demandiez simplement, qu'est-ce qu'on peut ne pas reprocher à Paul Biya? Ça aurait été encore plus simple. Parce que Biya a tellement fait des choses mauvaises que s'il faut lister les choses qu'on peut reprocher à ce tyran, je vous assure, vous savez comment je l'appelle toujours dans mes interventions et mes directs. C'est le roi feignant. C'est ce vieillard incapable. Donc, ce qu'on reproche à Biya, je vais citer ma liste, je peux écrire un livre sur les reproches qu'on peut faire à cet homme. Parce qu'il est tellement médiocre qu'on peut écrire un livre de 200 pages uniquement sur les reproches qu'on lui ferait. Biya a détruit le Cameroun. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il a instauré l'injustice et il a cultivé la corruption. Biya, encore lui, c'est celui-là qui tue les Camerounais tous les jours dans le Nozo depuis 2016. Oui, c'est Biya. Biya, encore lui, c'est celui-là qui nourrit le tribalisme au Cameroun au lieu de lutter contre ce fléau. Oui, Biya, c'est encore lui. Celui-là qui n'aime pas les Camerounais. Oui, Biya n'a jamais aimé les Camerounais. En fait, pourquoi? Parce qu'il sait que les Camerounais ne l'ont jamais voté. Il sait que les Camerounais ne l'ont jamais aimé, que les Camerounais ne l'aiment pas. C'est ça, le Biya, que vous comprenez. Biya, c'est celui-là. Biya, encore lui, c'est celui qui a détruit le mérite et instaurer les clans au Cameroun pour diriger le pays vers sa chute. Voilà ce que Biya a su faire.
il a instauré, détruit le culte du mérite. Bia, c'est encore lui, celui-là qui est incapable de fournir l'eau potable et l'électricité à sa population. Oui, ce même Bia, c'est celui qui invente des projets uniquement pour enrichir son clan de malfaiteurs. Bia, encore lui, celui qui a oublié les Camerounais qui souffrent, oui, en les privant des hôpitaux et de la couverture sociale adéquate, ce qui cause énormément de décès. Oui, et enfin, Bia, encore lui, celui qui a orchestré le grand banditisme au sein de l'appareil étatique, oui. Ce qu'il a appelé la mangeoire, car chacun se sert de l'argent du contribuable, eh oui, aussi longtemps qu'il supporte le régime autoritaire et dictatorial de Biya. Tant que vous êtes avec lui et que vous faites ses louanges, vous appartenez, vous avez devant vous une mangeoire. C'est ça, Biya. Il a tellement fait des choses méchantes pour le Cameroun. La liste serait exhaustive. Monsieur Oui, Jean-Luc. général, la liste, j'aimerais couper là, mais j'ai suivi une chose là, un mot un peu étrange. C'est quoi la mangeoire? La mangeoire au sein de l'État, c'est quoi? Est-ce que c'est un restaurant où les membres du gouvernement vont payer la nourriture ou bien c'est quoi la mangeoire? La mangeoire, c'est cette forme de corruption que Biya a établi, c'est-à-dire cette corruption à grande échelle, cette corruption entre guillemets officielle, pour ne pas dire officieuse, qui existe au niveau des hauts fonctionnaires de l'État au Cameroun, ceux-là qui peuvent se servir de l'argent des contribuables, qui peuvent puiser dans les impôts du pays tranquillement, sans risque de se Alors, plaindre, général, oui. si je comprends bien, la mangeoire, ça signifie alors, ça signifierait détournement de deniers publics Simplement, et corruption. vous l'expliquez Donc, mieux que moi. Détournement des deniers publics et corruption. Voilà l'expression résumée du mot mangeoire au Cameroun. d'accord. Ça, c'est, je vais écrire ça dans mon vocabulaire. Ah oui, c'est très important. Tous les Camerounais le savent. Ah. Ouais, général. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que vous comptez mener cette révolution jusqu'au bout? Vous savez, Quelles sont les recettes que vous nous avez pas encore données? Ou bien ça reste secret? non, vous savez, les commandants et les combattants du monde entier et moi avons jusqu'ici mené un certain nombre d'actions. C'est très important. De par nos marches, de par la prise des ambassades, je l'ai dit dans un direct précédemment, deux ambassades sont tombées. Le général Kalibri en France, diligentant des mains de maître la prise d'une prestigieuse ambassade comme celle de Paris, et moi, des mains de maître également, diligentant la prise de l'ambassade de Berlin. Donc, ce sont des moments inoubliables de la vie révolutionnaire du peuple camerounais. Beaucoup d'actions encore sont à venir. Vous savez, ce régime assassin, qu'est le régime de Paul Biya, doit être dégagé par tous les moyens. Par tous les moyens. On ne doit lésiner sur aucun moyen pour faire tomber cette tyrannie. Et nous en avons les moyens. Le peuple que nous servons s'est choisi un leader et a décidé de lui faire confiance. Je puis vous assurer que nous allons utiliser tous les atouts possibles pour faire tomber cette tyrannie, coûte que coûte. Nous entrons maintenant, je vais vous le rappeler également, que nous entrons Avant, maintenant dans la je phase vais vous go. couper un peu, général. Je Oui? vais vous couper un peu Oui, allez-y. pour revenir sur la question
de comment est-ce que vous comptez mener cette révolution. Vous avez parlé de la prise des ambassades, Oui. des marches, et est-ce que vous ne pensez pas aussi aux différents couloirs? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il n'y a que les prises d'ambassade? Y a-t-il encore d'autres méthodes? Ah, merci déjà, Monsieur Jean-Désiré, de revenir encore sur cet élément de question. J'allais oublier les couloirs diplomatiques, justement. On en vient. Les couloirs diplomatiques sont très importants. Parce que quoi? Parce qu'au niveau de l'Allemagne, par exemple, les différentes rencontres que nous avons eues avec les parlementaires allemands nous ont permis tout autant de plaider et d'avoir gain de cause à ce que l'Allemagne a pu couper l'enrichissement illicite des membres du gouvernement de Biya. Donc tous ces ministres qui utilisaient de l'argent venant de l'étranger pour leur fin d'enrichissement illicite, tout cela a été coupé. Il y avait une aide également apportée à la formation des militaires allemands pour aller mener la guerre contre les populations du nord-ouest et du sud-ouest. En fait, Biya disant que c'était contre Boko Haram, alors qu'il formait les militaires à aller tuer leur propre population, cela également a été coupé. Il y a eu la rencontre, par exemple, de l'Union européenne à Bruxelles, où j'ai été invité pour rencontrer les députés européens. Ça, c'est autant de couloirs diplomatiques. Et nous n'explorons, nous ne laissons pas une seule voie ouverte. Tous les chemins, toutes les voies possibles pour renverser cette tyrannie, nous les utilisons à bon escient et nous en sommes pleinement conscients. Merci, général. Je vous ai coupé tout à l'heure. Vous vouliez parler d'une phase, d'une prochaine phase de la révolution. De quelle Exactement. phase s'agit-il? Il s'agit de la phase 2. La phase 2 est celle vers laquelle nous nous acheminons. Dans les jours qui suivent, je vais vous annoncer le programme détaillé de cette phase. En fait, la phase 2, c'est des opérations directement sur le triangle national. Il s'agit de mener des actions directement sur le triangle national. Parce que cette tyrannie a assez et pour longtemps fait durer la torpeur et la peur. Nous n'allons pas nous laisser intimider, nous allons contre-attaquer et des actions dans le programme 2 de la révolution, c'est-à-dire cette phase agile et tenace, entre en scène dans les jours qui suivent. Elle sera diligentée, bien sûr, par toute l'équipe et coordonnée par le comité qui suit les opérations de plus près. Merci. Merci, général. Alors, nous allons rebondir sur un autre sujet pour Oui. après revenir certainement sur ces couloirs diplomatiques et ce qui a été fait jusqu'ici. Oui. Alors, ces derniers jours, le peuple s'est rangé derrière vous par rapport à un complot que vous avez eu à signaler dans l'un de vos messages. Alors, comment avez-vous fait pour déjouer ce complot général est chez nous. Vous savez, pendant que nous travaillons, les gens croient que c'est l'amusement. Nos services de renseignement ont déjoué un complot qui avait longtemps été préparé, et je dis minutieusement préparé, contre la révolution et contre le général El Tchénou. C'était ça, et c'est ça qu'il faut expliquer au peuple. Ce complot a longuement été mûri contre la révolution et contre ma personne, celle du général El Tchénou, celui qui incarne la révolution. C'est tout simple. Mais il faut dire quelque chose et féliciter quelqu'un ici, c'est le peuple. Celui qui a détourné et dérouté ce complot de la manière la plus puissante et la plus majestueuse, parce que ce complot aurait pu réussir, n'eût été l'intervention du peuple, n'eût été l'intervention populaire, n'eût été la prise de position ferme et radicale des populations.
du peuple n'eût été ce radicalisme du peuple connaissant où et qui est pour sur le chemin de la vérité, je vous assure, les putschistes auraient eu gain de cause. Ils auraient réussi tranquillement. Ils seraient passés, le putsch serait passé comme une lettre à la poste. Nous étions donc de ce fait dans l'obligation de démasquer les comploteurs et ensuite le peuple a réglé cette affaire seul. Je pense qu'il n'est plus bien que je revienne là-dessus parce que le peuple a tranché de la manière la plus magistrale et de la manière la plus efficiente et efficace. Vous savez, ce qui est bien, c'est que le peuple, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous avez vu jusqu'où le peuple a conduit les putschistes déchus. Vous avez vu ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils deviennent chaque jour. Nous avons tout remis entre les mains de Dieu et le peuple est souverain. On ne joue pas avec le peuple. On ne joue pas avec la destinée de 25 millions d'habitants. Ce peuple est souverain et ce peuple est loyal. Il y a aussi que nous avons eu à voir des malversations, des vidéos détournées qui ont fait état d'un certain nombre d'actes dont on ne se reconnaît pas dedans. Et encore et toujours, le peuple a tranché et a décidé de son verdict. Nous avons vu une hérésie de jugement à la One Man Show, des acteurs shakespeariens s'exhiber et s'étaler, mais le peuple encore souverain a tranché. C'est bon d'être aux côtés du peuple. C'est bon d'être aux côtés du peuple. Ne vous prenez jamais le peuple à dos. Prenez-vous tous les hommes à dos. Mais le peuple, on ne blague pas avec le peuple. Quand le peuple tranche, c'est une fois pour toutes. Merci beaucoup. Merci, général. Parlant du peuple, si le peuple vous a défendu, est-ce parce que vous menez un combat noble ou bien parce que le peuple trouvait que ces gens qui préparaient le putsch étaient plutôt étaient là pour servir le contraire de ce que nous faisons? Non, Est-ce que ces gens oui. avaient pour but de casser la révolution ou bien de casser juste le général Elchenou? Je Non. reprécise ma question. Je reprécise ma question Oui. pour que ça soit clair. Puisque le général Elchenou est celui qui dirige le train de la révolution, Oui. est-ce qu'en le cassant, ce serait un coup prémédité contre la révolution? Ça, c'est la question que j'aimerais poser. Mais bien sûr, il n'est pas à oublier que les vrais commanditaires de ce complot sont tapis dans l'ombre, et tout dit. Les vrais commanditaires de ce complot, c'est Biya et sa clique. On ne va pas s'en prendre à ceux qui sont le bras extensible du complot. Ceux-ci, ceux que nous avons vus s'exhiber, ne sont que des fibres. L'arbre même, c'est Biya et sa clique. L'arbre, c'est le régime satanique de Biya. Voilà là où est le problème. Ce sont ceux-là même qui tuent les Camerounais tous les jours, qui ruinent et qui font perdre aux Camerounais la crédibilité et la dignité. Ils savaient et ils l'ont toujours su que pour frapper la révolution de plein fouet, c'est clair, il faut frapper celui qui tient les commandes du train. Celui qui pilote le train. Nous sommes dans le wagon de pilotage nombreux, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne le volant. C'est aussi simple que ça. En faisant atteindre une balle dans la tête de celui qui tient le volant du train de la Révolution,
C'est clair que la révolution prendrait un coup fatal et le train pourrait dérailler. Là était le but de ces comploteurs. Mais nous n'avons essayé. Oui. Heureusement que le peuple général est chez nous, est venu à votre secours et vous a défendu parce que vous défendez la cause du peuple. Alors, général est chez nous. Que pensez-vous des combattants qui ne sont pas encore engagés dans la révolution? Et que pensez-vous des combattants qui sont distraits pendant cette révolution? Est-ce que vous avez un mot pour eux? Pour ces combattants-là qui ne se sont pas encore décidés. Merci. Ok, vous savez, je veux dire une chose qui est simple. Aux combattants, restez fidèles. Je le dis. Aux combattants, restez fidèles. Je leur demande de garder la loyauté. Très important. Qu'ils restent disciplinés. C'est aussi important. Et ils doivent rester concentrés. Restez concentrés. Ne pas se laisser distraire. Ne vous laissez pas distraire. J'ai parlé de la loyauté, j'ai parlé de la discipline et j'ai parlé de l'absence de distraction. Évitez la distraction. À tous les combattants qui hésitent à nous rejoindre, je le dis, à tous les combattants qui hésitent encore à nous rejoindre, je vous demande de rejoindre le plus tôt. Je dis bien le plus tôt. Le train de la révolution. Rejoignez-nous. Formez des groupes de résistance où que vous soyez. Je vous lance un appel solennel. Où que vous soyez, formez des groupes de résistance et contactez-nous. Contactez toutes les révolutions, tous les révolutionnaires. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, vous avez le général Calibri, vous avez la générale Salomé Tchapetet. Je passe comme ça par cette bifurcation. Tirez un coup de chapeau à cette femme. Vous savez, j'aurais aimé aller à son école pour apprendre d'elle ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut réagir lorsqu'on est laminé, lorsqu'on tire sur vous. C'est une femme qui a un caractère sacré. C'est une femme digne. Quand je suis entré dans le combat, j'ai vu et j'ai compris comment on tirait toujours sur elle. Je me dis, mais quelle est cette femme dont tout le monde a un truc à dire sur elle, tout le monde. Mais sur ses talons et ses bottes, je l'ai vue intrépide, faisant ce qu'elle avait à faire, ne gérant personne. J'exhorte comme ça toutes les Amazones à se référer à ce modèle. Elle est un modèle pour les générations d'aujourd'hui. J'ai parlé comme ça encore à tous, parce que notre rêve, et nous devons le rêver, c'est qu'au sortir de là, que ce soit les combattants restés fidèles, ceux qui ont hésité, qui hésitaient jusque-là à nous rejoindre, que nous nous retrouvions tous dans notre triangle national, notre cher et beau pays, notre magnifique pays, lorsqu'il sera libre, juste et prospère, que nous puissions y bâtir quelque chose. C'est pour ça que j'ai lancé ce cri de détresse qui a obligation d'appel. Nous voulons rentrer chez nous, bâtir notre pays. Pour cela, nous devons le débarrasser de ceux qui l'ont emprisonné, c'est-à-dire Paul Biya et son régime satanique tribal. C'est très important. Merci. Pour renverser ce régime, il y a une conférence qui a été organisée à Berlin. Quel était le rôle du RPC lors de cette conférence? Je tiens à rappeler que le RPC, c'est le mouvement qui rassemble tous les groupes de révolutionnaires de l'Allemagne. Alors, c'était quoi le rôle du RPC lors de cette conférence générale chez nous? Vous savez, la conférence de Berlin a été organisée pour deux choses. Premièrement, en organisant la conférence de Berlin, le but était de réunir tous les combattants du monde entier pour qu'ensemble,
nous puissions mettre sur pied une plateforme commune pour harmoniser nos méthodes de combat et chasser le dictateur, le tyran Biya. Voilà le but premier dans l'organisation de la conférence de Berlin. Et à cette conférence, le RPC, qui est né de quoi? Qui est né de la fusion de tous les mouvements en Allemagne, tous ces mouvements qui existaient jusque-là, des groupes. Et ils se sont unis, chacun abandonnant son entité pour opérer et épouser l'idéologie du RPC, c'est-à-dire Révolution Peuple Camerounais. Voilà comme ça que le RPC a investi financièrement sur le plan de la logistique, sur le plan du capital humain même, des personnes matérielles. Le RPC s'est impliqué profondément dans l'organisation de la dite conférence. Il y a eu aussi la basse qui a donné énormément pour que cette conférence ait lieu. Mais à cette conférence, nous avons tiré beaucoup de leçons parce qu'elle a permis de discerner au jour d'aujourd'hui quels sont les vrais combattants et quels sont les faux combattants. La conférence de Berlin a mis à jour, elle a été comme une espèce de voile de tamis qui a filtré la combativité des combattants et permis de comprendre quels sont ceux-là qui ont des motivations réelles dans le combat et ceux qui ont des motivations intéressées. C'est ça qu'a servi Berlin. C'est pour ça que nous pensons dans les jours à venir, Berlin 2. Berlin 1 a servi de tamis et Berlin 2 va mettre le cap sur étoudi avec cette fois-ci les vrais combattants. J'entends par vrais combattants les combattants affirmés, les combattants affûtés. Il faut qu'on soit clair. La révolution n'a pas besoin du nombre. Ce n'est pas le nombre qui fait une révolution, c'est la qualité des révolutionnaires. C'est très important. Merci. Parlant de qualité des révolutionnaires, général Elchenou, est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous avez une liste des révolutionnaires ou bien un certain nombre à qui on peut faire confiance et d'autres où il faudrait se méfier? Ou bien vous pensez que chacun a ses qualités et de son côté pourrait apporter sa petite contribution à la révolution? Devrons-nous faire confiance à tous les combattants? Devons-nous faire confiance aux combattants les plus âgés, les plus anciens, ou bien nous devons juste faire confiance aux combattants qui montrent de par leur courage et de par leur ténacité qu'ils sont vraiment de cœur derrière cette révolution? Alors, comment est-ce que vous pouvez diriger les combattants qui sont là et qui vous écoutent? Quels sont les combattants? Quels sont les signes pour découvrir ceux qui mènent un combat juste et ceux qui sont là pour d'autres intérêts? Vous savez, merci pour la question, monsieur Jean-Désiré. Elle est très pertinente, cette question, et elle demande une réponse minutieuse. Vous savez, la révolution a besoin de tout le monde. Ça, c'est clair. Tout le monde peut entrer dans la révolution. Tout le monde peut venir dans le train de la révolution. Mais la différence se situe à quel niveau? Je vais vous illustrer cela. Je suis enseignant, donc je connais l'explication. Ça, c'est la chose la plus élémentaire. Quand vous entrez dans le train de la révolution, ce n'est pas le fait d'y entrer qui vous qualifie. Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Ce n'est pas parce qu'une femme est enceinte qu'elle a déjà un bébé. Ce n'est pas parce qu'une femme a conçu qu'elle a accouché. Suivez bien mon regard. Toutes les femmes peuvent concevoir, mais toutes les femmes ne vont pas certainement accoucher. Vous pouvez concevoir, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'enfant meurt, il sort.
Vous pouvez faire une fausse couche. Vous pouvez accoucher par césarienne, comme vous pouvez accoucher normalement. Ou bien vous pouvez perdre votre bébé pour X ou Y raison. Donc ce n'est pas parce que vous êtes enceinte que vous avez accouché. Ce n'est pas parce que vous êtes entré dans le train de la révolution que vous êtes un révolutionnaire. Faites très attention. Il y a des gens qui sont dans le train de la révolution par erreur. Il y a des gens qui sont entrés dans le train de la révolution par affinité. Il y a des gens qui sont entrés dans le train de la révolution par copinage. Il y a les gens qui se sont retrouvés dans le train de la révolution par fraternité. Il y a un moment donné des gens qui ont même cru que la révolution était une affaire de famille. Vous entrez dans un groupe, vous trouvez les oncles, les frères, les mères, les tantes, les cousins, les neveux, les tantons, les tatas, les nièces, tout ça. C'était du bordel, excusez-moi l'expression. Donc vous vous retrouvez avec des gens comme ça. Et puis, ils pensent que c'est ça qui fait la révolution. Non, nous ne le pensons pas. Nous ne le croyons pas. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le train de la révolution que vous êtes un révolutionnaire. Vous pouvez être dans le train de la révolution parce que votre mère vous a accouché dans le train de la révolution. Votre mère en entrant était enceinte de vous. Parce que votre père en quittant la maison n'a pas voulu vous laisser seul. Il vous a dit, viens, on va. Mais en fait, ce n'est pas votre endroit. Vous n'êtes pas qualifié pour être là-bas. C'est pour ça que je le dis encore, et nous le pensons également, vous comme moi, et le peuple en est témoin, le train de la révolution est un train très, très, très dangereux. Ceux qui s'y trouvent, quelle que soit la raison pour laquelle vous y êtes, vous serez soit éjecté naturellement, soit éjecté pour X ou Y motif. C'est tout. C'est tout parce que le train de la révolution va vous filtrer et vous expulser normalement. Normalement. Donc tous les combattants qui sont dans le train de la révolution ne servent pas forcément la révolution. C'est dur à entendre. C'est difficile ce que j'explique, mais c'est la vérité. Ça fait peut-être mal. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans les groupes qui servent la révolution, qui sont des révolutionnaires. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre de leur journée. Ils viennent là-dedans pavaner, se masturber, perdre le temps. C'est ça le véritable problème. Et c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas tous ceux qui appartiennent dans des groupes qui œuvrent en faveur de la révolution qui sont des révolutionnaires. Non. Le révolutionnaire, c'est qui? Qu'est-ce qu'un révolutionnaire? Le révolutionnaire, c'est celui-là, un, qui, ayant vu une cause injuste, se battant pour éradiquer une situation, pour renverser un certain régime, a décidé d'œuvrer, de sacrifier son temps, sa vie, ses ressources, tout en lui, c'est jusqu'à ses tripes, pour accomplir le projet qu'il s'est donné. C'est ça le révolutionnaire. Si tu es révolutionnaire follower, si tu consacres ton temps mort, quand tu rentres de ton boulot, tu viens t'asseoir devant ta télé, tu regardes Max Ivoire passe à telle heure, le général Ed Chenou passe à telle autre heure, telle autre personne passe à telle heure, après tu manges tes pop-corn, tu bois ton coca et puis tu vas dormir, tu n'es pas un révolutionnaire. Faut faire attention. Ça va choquer beaucoup, mais c'est ça la vérité. On a besoin de tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être qualifié. Il faut qu'on soit juste déterminé. Merci beaucoup, Jean-Désiré. Merci, général. Alors, tous ceux qui nous suivent sont en train de dire que tes mots sont justes, c'est vrai, c'est la vérité, c'est comme ça. Et puis, alors, général, au départ, au début de cet entretien, il y a une question que je vous ai posée Oui. concernant les raisons qui vous ont poussé à mener ce combat, à Oui. démarrer ce train de la révolution. Alors, vous avez parlé du hold-up électoral. Ensuite, vous avez parlé de l'intelligence que vous avez observée chez le professeur
Maurice Gamto Oui. et ses avocats. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous recevez des ordres du professeur Maurice Gamto. Pardon? Je Je vais comprends pas bien la expliquer, question. je vais reposer la question Oui. différemment, Général Elchenou. Oui. Alors, Général Elchenou, travaillez-vous pour le professeur Maurice Kamto? Il serait irresponsable, je le dis bien. Il serait irresponsable de lier la révolution à un individu. Très irresponsable. Il faudrait que vous compreniez une chose et que cela doit être clair pour vous comme pour moi et que nul ne l'ignore. La révolution est une vision. La révolution est une vision et un état d'esprit. Avant et après le professeur Maurice Kamto, la révolution camerounaise perdurera. Tant qu'il y aura de l'injustice au Cameroun, ça doit être clair. Tant qu'il y aura de l'injustice au Cameroun, la révolution camerounaise perdurera. C'est très important. Le président élu, le professeur Maurice Kamto, est celui-là même à qui revient le mérite d'avoir réveillé l'espoir du peuple camerounais. Ça, c'est très important. Nous devons le reconnaître. Il a demandé aux Camerounais de ne pas lutter pour lui, c'est-à-dire lui, le président élu, mais de lutter pour eux. Ça, c'est clair. Nous luttons non pour le président élu, le professeur, son Excellence Maurice Kamto, mais nous luttons pour toutes ces victimes, pour tous ces Camerounais qui sont privés de liberté. C'est très important. Et nous avertissons le dictateur Biya. Ça aussi, il doit le savoir. Il est important pour nous de dire à Biya aujourd'hui que le président Maurice Kamto reste en prison 1 an, 2 ans, 10 ans, qu'il fasse de lui ce qu'il veut, il peut le garder en prison, mais je veux dire, oui, will never surrender. Ça, c'est très important. Oui, will never surrender. Ça, c'est hyper important. Et ces paroles ne sont pas du général El Tchénou. Non. Ces paroles ont été prononcées par un jeune révolutionnaire alors que son leader de l'époque était enfermé dans les geôles d'un régime semblable à celui de Biya, d'un régime d'apartheid, un régime tyrannique, despotique et dictatorial. Oui, Mandela. Enfermé dans les geôles sud-africaines, Steve Biko, de son état, jeune révolutionnaire, a prononcé ces paroles. Oui, le général El Tchénou, par le mandat que vous, peuple, vous m'avez confié, je veux dire ici aujourd'hui, oui, we will never surrender. Biya peut faire ce qu'il veut du président élu, nous serons toujours dans cette lutte. C'est très important. La seule question qui se pose aux Camerounais, c'est de savoir de quel côté de l'histoire ils voudraient se placer. Ça, c'est très important. De quel côté de l'histoire les Camerounais voudraient se placer? Voudraient-ils écrire une nouvelle page de l'histoire de leur pays? Ou bien ils voudraient appartenir à l'autre côté, aux côtés du bourreau? Ça, c'est la bonne question. Et je veux le dire encore. La révolution camerounaise, j'en ai fait mon affaire personnelle. Ou je triomphe avec cette révolution, ou je meurs avec elle. Ça, c'est clair. Ou je triomphe avec cette révolution, ou je meurs avec elle. Le peuple doit le savoir. Le mandat que vous m'avez donné, je ne vous trahirai pas. Biya sera délogé d'étudier, coûte que coûte. Advienne que pourra, nous allons le dégager de là et nous allons vous rendre votre liberté. Les clés du palais seront remises au peuple camerounais et c'est vous qui allez décider ce que vous allez en faire. Je vous l'ai dit, la main sur le cœur, j'en fais une affaire personnelle.
Merci beaucoup, Jean Désiré. Merci, général. Je suis très satisfait de la réponse et j'espère que oui, ça se voit là, les commentaires, les gens sont époustouflés, ça c'est formidable. Je comprends pourquoi on dit toujours que vous êtes éloquent et vous êtes aussi précis et rassurant dans vos dires. Alors, général Elchenou, ça Oui. m'amène donc à vous poser une autre question. Oui. Il y a certaines langues qui disent que vous êtes trop autoritaire. Alors, que répondez-vous à cette accusation? C'est une belle question. Je sais que mon peuple qui m'est fidèle, ce peuple que j'aime beaucoup et qui m'aime, qui me le rend énormément, attend beaucoup de cette question. Le général est chez nous autoritaire. En fait, vous savez, pour défier la dictature de Biya, il faut être autoritaire. Pour s'opposer à un régime tyrannique comme celui de Biya, il faut être autoritaire. Oui, il faut être autoritaire. Pour espérer chasser Biya et le dégager du palais des Toudis, il faut être autoritaire. Pour arrêter Biya et amener les Camerounais à lui donner une fessée nationale souveraine, il faut être autoritaire. Oui. Pour prendre d'assaut l'ambassade de Berlin, il faut être autoritaire. Pour déchirer les diplômes de l'ambassadeur, il faut être autoritaire. Pour déchirer la lettre d'accréditation de l'ambassadeur, il faut être autoritaire. Pour s'asseoir sur le bureau d'un ambassadeur vivant, en fonction, avec une tenue militaire, croiser les pieds sur son bureau, oui, il faut être autoritaire. Je crois que si on appelle ça être autoritaire, amener les Camerounais à dire non à la distraction, amener les Camerounais à se focaliser vers l'objectif, amener les combattants à travailler dur, amener les combattants à être rivés vers un seul but, c'est-à-dire chasser Biya et sa tyrannie, s'il faut de l'autorité pour le faire, pardonnez-moi, peuple camerounais, je me dois d'être autoritaire à ce niveau. Parce que le régime que nous avons en face ne donne pas le lait. Le tyran que nous avons en face ne blague pas. Il faut beaucoup d'autorité pour le défier. Il faut beaucoup d'autorité pour l'étrangler. Il faut avoir beaucoup d'autorité pour pouvoir espérer racler Biya et détruire son régime. Oui, je suis autoritaire pour cette cause-là. Si ce sont là les motifs pour lesquels je suis cité comme autoritaire, alors j'encaisse et j'accepte. Oui, je suis autoritaire. Ah ouais. Alors, le général a répondu, si être autoritaire, c'est mener ce combat et donner la direction de ce combat, alors il accepte d'être autoritaire parce que son autorité, il la met au service du peuple et il la met au service de la révolution. Merci beaucoup, général Elchenou. Pour revenir sur une autre histoire. Alors que vous étiez en mission, vous avez été victime d'une certaine agression. Alors, pouvez-vous nous expliquer les circonstances de cette agression, général Echenu? Oui, il faut rappeler déjà que ma visite à Bruxelles, c'est très important, répondait à une invitation du Parlement européen. Oui. J'en profite ici pour remercier tous les combattants, la combattante Karine Gambet, l'avocat Biabo Paulin, ce dur avocat célèbre de la Basse allemande, et les autres combattants qui ont abattu un travail merveilleux pour rendre possible et permettre la rencontre du Parlement européen. Je dis merci comme ça à tous ceux-là qui œuvrent même dans l'ombre. Toute cette équipe qui travaille, j'ai en moyenne 150 personnes qui travaillent de jour comme de nuit derrière l'homme que vous voyez modestement devant les écrans aujourd'hui. C'est toute une équipe dynamique qui œuvre pour que tout soit possible, pour que les succès engagés jusque-là soient possibles. Avant de répondre à la question de l'agression, j'aimerais tout d'abord saluer, oh là là,
les vaillants combattants et les vaillantes combattantes de la Belgique qui mènent un combat noble, sincère et patriotique. Ça, c'est très important. Il est aussi important de réitérer notre ferme engagement, oui, à la libération du Cameroun, notre chère patrie, tenue par le tyran Biya, le despote, le roi feignant, le roi machiavélique et le roi dangereux. Mais je puis vous rassurer que nous nous saisirons de lui très prochainement. Ses jours sont comptés. Concernant l'agression proprement dite, il faut rappeler que j'attendais devant l'hôtel Ibis, oui, quelque chose comme ça, la combattante Karine qui venait de Paris en TGV. Et un individu, d'abord, premièrement, m'a accosté pour m'a reconnu en Belgique et a dit, oh, c'est le général El Tchenou. Je lui dis, oui, il me dit, ah, merci, félicitations pour le travail que vous abattez. Vraiment, nous, le peuple camerounais, nous sommes fiers de vous. Et je me suis senti bien quand même. Vous savez, quand vous faites un travail pour le peuple et que vous êtes de temps en temps accosté dans la rue et reconnu comme tel, félicité, ça va toujours droit au cœur et ça fait du bien. Mais quelques minutes après, un individu hystérique et violent s'est rapproché de moi avec une fermeté inouïe. Je n'ai rien compris. Il est venu très violemment et voyant qu'il ne pouvait rien faire seul, il est revenu à la charge avec une dizaine de personnes et a commencé à vociférer des propos. Vous savez, dans de telles situations, le général n'était pas à Bruxelles pour un combat corps à corps. On peut se retrouver sur le champ de bataille et combattre corps à corps. J'étais en mission et la mission était l'une des plus hautes. Rencontrer les députés européens avec tout ce que j'avais comme document ultra secret, enlevé de l'ambassade de Berlin. Je ne pouvais pas me permettre une besogne autre que vaquer à l'occupation et à la tâche sublime que vous m'avez confiée. Vous, le peuple camerounais, j'étais donc obligé de préserver l'intérêt suprême, c'est-à-dire aller au Parlement européen, accomplir la mission et rentrer tranquillement. Donc c'est un incident qui est classé comme non clos. On n'a pas besoin de revenir là-dessus parce que le plus important à Bruxelles a été fait ce jour. Et les résultats sont en train d'être reconnus. Et les fruits tombent chaque jour sur la rencontre avec des députés européens, des parlementaires européens. Parlant des retombées, général Elchenou, Oui. est-ce qu'il y a déjà des retombées de cette rencontre au Parlement européen? Oui, parlant des. Oui, il faut d'abord noter que. J'ai cité tantôt là, les retombées au niveau du Parlement allemand. Nous avons pu obtenir tout ce que nous avons obtenu. Concernant les retombées sur la rencontre du Parlement européen, nous avons reçu une correspondance encore la semaine passée qui nous faisait, on aurait encore une deuxième convocation. Donc, nous serons appelés à nous rendre encore dans les jours qui viennent, encore au Parlement européen à Bruxelles, parce qu'on devrait encore être entendu sur un certain nombre de choses, parce qu'il faut éclairer un certain nombre de situations. Et on nous demandait également de nous préparer sur la question de savoir ce que nous attendons exactement des députés européens. Ils veulent savoir ce que nous attendons d'eux. Cette fois-ci, ce sera plus seulement les députés allemands, parce que la correspondance est tombée avant-hier, comme tu le sais. Et il s'agira également des députés européens, donc de tout l'hémicycle. Ça, c'est encore plus intéressant. Nous aurons encore l'occasion de tirer sur le roi feignant, de dénoncer sa dictature, de montrer l'état de ce régime et de demander aux Européens en général ce que nous pouvons réclamer. Donc, les retombées sont là, elles sont manifestes, vous le voyez, on ne respire plus. Il y a eu un autre rendez-vous encore qui sera pris au Parlement allemand, toujours à partir des retombées du Parlement européen. C'est très important. Donc, il faut vraiment travailler très dur encore. Et je ne sais pas comment on va faire avec des agendas qui se bousculent, mais néanmoins, nous devons nous mettre à l'action. Le peuple n'a plus droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur parce que le peuple ne nous le pardonnera pas. Ce peuple nous a fait confiance et nous nous devons d'honorer ce peuple. Nous nous devons d'honorer et de respecter la confiance que le peuple a mise en nous.
Moi, en ce qui me concerne particulièrement, et mon équipe, c'est-à-dire vous, moi, nous ne trahirons pas ce peuple. Jamais. Je vous ai parlé, peuple camerounais, en mettant la main sur le cœur, je ne vous trahirai pas et je ne vous abandonnerai pas. Jusqu'à la victoire définitive et complète, je serai à vos côtés et je serai là pour vous défendre. Je vous l'ai dit et je le répète ici, je ne suis pas de ces généraux qui attendra que Biya tombe pour aller au Cameroun. Si vous entendez que Biya est tombé, ça veut dire que le général Etchenou est déjà au Cameroun. J'arriverai au Cameroun au moins 48 heures avant sa tombée et moi-même, je le fesserai et je l'enlèverai d'étourdi. Ça, c'est parole promise, parole due. Promise, autant pour moi, parole due. Merci. Oui, général Elchenou, vous dites vouloir enlever le président Paul Biya des Toudis, mais où est-ce qu'il va aller? Il ira où? Est-ce que les C'est prisons pour du Cameroun sont l'enlever pleines et... pour tout le mal qu'il a fait à cette nation? Il est citoyen suisse. Il peut aussi, on peut le faire rentrer même dans son pays. Il va mourir là-bas tranquillement. Ahidjo est mort où? Il a fait tellement de mal à cette nation. Il faut que les gens se rendent à l'évidence. Paul Biya met les autres où? Où est-ce qu'il met Oui, le général. peuple? Oui? Général, sans vous interrompre, Oui? j'aimerais poser une question qui est très simple, mais Oui. pourrait être très compliquée à répondre. Oui. Donc, prenez votre temps. Il s'agit de Monsieur Paul Biya. Oui. Si Monsieur Paul Biya libère tous les prisonniers politiques, Oui. si Monsieur Paul Biya envoie en prison tous les détourneurs de fonds publics. Si M. Paul Biya arrête la guerre dans le nord et le sud-ouest du Cameroun, si M. Paul Biya assure que qu'au Cameroun, le mérite soit reconnu, et si M. Paul Biya lutte contre le tribalisme, si M. Biya jure et s'assure à réaliser tous les grands projets qu'il a eu à promettre aux Camerounais depuis qu'il parlait du bout du tunnel, si M. Biya fait toutes ces réalise toutes ces promesses-là, et je le dis en moins de 6 mois, si M. Biya permet aux Camerounais exilés de retourner dans leur pays, si M. Biya accorde la double nationalité à tout le monde, si M. Biya arrête et lutte contre la corruption, est-ce que s'il fait tout ça, tu pourrais le laisser à étudier? Merci beaucoup pour la question, Jean-Désiré. C'est une très belle question. Je vais vous répondre par une question simple. Simple, vous allez comprendre. Si votre femme que vous avez à la maison essaye pendant 15 ans de vous tuer avec un poison aussi simple, pas douloureux, qu'on appelle le cyanure, elle vous met ça tous les jours un peu dans la nourriture, un peu dans la nourriture. Pendant 15 ans, vous avez perdu vos os, vous avez perdu votre corps, vous êtes affaibli, vous avez été victime de beaucoup de maladies et de maladies. Et un jour, 15 années après, on découvre que c'est votre épouse qui essayait de vous tuer. En fait, vous avez souffert de maladies toute votre vie. Vous n'avez même peut-être pas eu la chance d'avoir d'enfants. Et on découvre que c'est elle, votre épouse. Elle vous dit, chérie, je te promets que c'est terminé. Je te jure que plus jamais. Maintenant, je t'aime à nouveau. Je vais t'aimer pour de vrai. Je vais même te donner des enfants. Je vais même te donner des jumeaux. Je vais faire ceci, cela, ceci, cela. Elle vous promet tout. Comment allez-vous réagir? Répondez-moi et je vous réponds. Je pense que 15 ans de maladie, le pardon serait parti avec la maladie chez nous. Parfait. 37 ans de dictature, même si Biya nous promettait à tous les Camerounais l'or et le ciel de la terre, nous lui dirons non. On ne peut pas croire en ce monsieur.
Il peut faire tout ce qu'il y a de bien, mais ça ne changera pas le mal qu'il nous a fait pendant 37 ans. On n'a plus besoin de lui. Il y a des personnes, à un moment donné, rendues de votre vie et de votre histoire, vous n'avez même pas besoin du bien de cette personne-là. Il y a des gens qu'il faut simplement éliminer de votre vie. Pour penser que votre vie peut être bien, il y a des gens qu'il ne faudrait même pas avoir dans votre entourage ou dans votre pensée. Il y a des gens que votre bien ne rime pas avec eux. Même si c'est la personne-là qui vous apporte l'or pour que vous soyez riche, vous êtes mal à l'aise. Parce que vous préférez être riche, vous préférez mourir pauvre que de recevoir l'or d'une telle personne. Donc je crois avoir répondu à votre question, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Général Eshenou. Une autre question allant dans le même sens. Si aujourd'hui le président Biya décide de démissionner et de passer le pouvoir de gré à gré à son fils ou bien à sa femme, est-ce que la révolution s'arrêterait? Wow. Vous savez, c'est pour ça que nous disons toujours dans le mouvement révolutionnaire, nous le croyons, que notre but ultime, ce n'est pas Biya. Notre but ultime, c'est chasser Biya et tuer le biyaïsme, éradiquer le biyaïsme, c'est-à-dire tout ce qui est tentacule. Parce que le biyaïsme, c'est quoi? C'est les tentacules de Biya, c'est-à-dire les ramifications qu'il a dû planter, ingurgiter partout dans le Cameroun. Ça marche partout, dans toutes les provinces et partout. C'est de ça qu'il est question. Le problème du Cameroun n'est pas Biya. Biya va mourir peut-être demain, peut-être après-demain. Il est même déjà tellement vieillissant. Il n'arrive à rien faire de lui-même. Il faut lui tirer la sonde, les urines et tout et tout et tout. Biya est fini. Donc si ce n'est qu'à la mort, vraiment, si elle arrive aujourd'hui ou demain, elle lui serait un gain. Biya serait heureux de mourir. Mais ce n'est pas lui notre problème seulement. C'est aussi le système qu'il a implanté, c'est le système qu'il a construit et bâti au Cameroun. C'est ce système-là qui continue à tuer le Cameroun. Biya est presque mourant, c'est sa femme qui gère le pays tranquillement, avec ses amants et tout ce que cela comporte. Voilà le Cameroun que nous vivons aujourd'hui. Et c'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas accepter une telle forfaiture. C'est impossible. Il faut que ça cesse. C'est pour ça que la révolution aura toujours un sens. Tant que Biya et ses ramifications seront au pouvoir. Merci. Merci, Général. Parlant de l'injustice et des faits divers, ces derniers temps, on parle beaucoup d'un jeune professeur qui a pris un extrait du livre de monsieur le professeur Maurice Kamto Oui. et en a fait une épreuve à ses élèves. Alors, ce professeur a été victime de lynchage et a perdu son travail. Quel est votre avis par rapport à ce sujet? Je dois rappeler d'abord que c'est un collègue, parce que je suis également enseignant. C'est un collègue il était au lycée de Mendon. Au lycée de Mendon. Dans le programme de philosophie de terminale, je dois le rappeler, d'abord un programme qui n'a jamais changé, ça fait au moins 25 ans que le programme est le même. Il y a une partie qu'on appelle ethnie et culture. Ethnie et culture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce chapitre-là sur la sociologie permet aux gens de comprendre leurs origines, de se définir dans leur espace, dans leur environnement et de comprendre les différences culturelles. C'est de ça qu'il est question. Et vous voyez à quel niveau le Cameroun est devenu machiavélique. Je ne sais pas comment qualifier, avec quel adjectif qualifier. C'est un pays zombifié. Zombifié, vous voyez, quelqu'un sort une épreuve. Et il perd son emploi. Un enseignant. Pourtant, j'ai lu l'épreuve, j'ai personnellement lu l'épreuve. Elle est bien amenée. C'est un commentaire de texte philosophique. Je vous assure, le texte philosophique est puissant. Moi, j'ai aimé. J'aimerais discuter de ce genre de thème avec mes élèves. Déjà, les élèves de terminale, ce n'est pas des enfants. Au Cameroun, les élèves de terminale sont à l'école de la philosophie. On ne fait pas philo quand on estime qu'on est encore bébé. Donc, on peut poser devant eux des thématiques sur la culture. Sur la tribalisation, sur le tribalisme, ce n'est que normal pour qu'ils commencent à se forger leur propre opinion. C'est ça la philosophie. Et Socrate définissait la philosophie comme étant celle-là. Il faut connaître, il faut apprendre d'abord à connaître, à se connaître soi-même. Connais-toi toi-même.
Et un enseignant perd son boulot à cause, c'est contre ce genre de dérive que nous voulons que ça cesse, que nous luttons. C'est contre de telles pratiques que nous nous insurgeons. Parce que trop, c'est trop. N'importe qui peut perdre son emploi, n'importe comment, pour avoir prononcé une seule parole. Une seule parole. C'est terrible. On se croirait en Corée du Nord. Le Cameroun est pire que la Corée du Nord. Je vous assure. Je crois qu'il est temps que nous mettions le cap du train de la révolution sur étourdi. Il n'est plus question de perdre du temps. C'est pour ça que les gens qui veulent nous distraire et à nous perdre le temps, je puis vous dire saluto, comme disent les Espagnols. Nosotros no tenemos tiempo. Vamos a étudier. Nous avons une seule destination. No hay tiempo para jugar. No estamos aquí para jugar. Comme disent les Espagnols, c'est une langue assez jolie. Donc on va parler de ça comme ça. Nous n'avons pas le temps de jouer. Nous fixons le cap vers étudier. Et c'est la direction appropriée. Nous y allons de plein fouet. Et c'est ça le programme 2 de la révolution, de la résistance. Nous avons mis le cap sur étourdi. Toutes les actions vont nous conduire à étourdi. Un jour, vous allez vous lever, vous allez entendre que le général et son équipe et certains généraux sont déjà descendus. Quand vous voyez qu'on est descendu, soyez sûr qu'il nous reste 72 heures. C'est terminé. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, général Elchenou. Général Elchenou, une avant-dernière ou bien peut-être même la dernière question. Oui. Alors, il s'agit effectivement de ce que je viens de prononcer, général, général, général. Alors, général Elchenou, il y a des gens qui disent que ce titre de général vous monte dans la tête. Il y a des gens qui manifestent une sorte de haine quand ils écoutent vous appeler général Elchenou. Alors, expliquez-nous, général, est-ce que ce titre de général est aussi important pour mener une révolution ou bien vous êtes capable de mener cette révolution sans ce titre de général? Avant de répondre, je vais vous faire une petite anecdote. Dans la Guinée de Camara, Dadi Camara, il y avait des généraux en Guinée. Dadi Camara était, je crois, capitaine quand il a fait le putsch. Ou lieutenant, un Ouais. truc comme ça. Il était capitaine ou lieutenant. Vous Capitaine, je savez, pense. quand vous avez le courage ou l'audace, vous n'avez pas besoin de titre. Le peuple camerounais que je prends ici à témoin m'a donné le titre de général. Seul le peuple camerounais peut me l'enlever. Il n'y a aucune instance, il n'y a aucune instance, que ce soit conseil de ceci, machin de cela, sage ou bien ceci, ça c'est de l'utopie et c'est de l'illusion. C'est même du rêve. Ceux-là qui viennent enlever là, qui leur a donné le titre, ça c'est la sorcellerie. Il faut arrêter un peu les films. Donc le peuple camerounais m'a donné ce titre. Et seul le peuple camerounais peut me l'enlever. Je prends les Camerounais à témoin. Je vous prends à témoin, vous, peuple camerounais. Et le titre n'est pas important pour mener une bataille. Quand nous allions sur Berlin pour la prise de l'ambassade, ce n'était pas le grade de général qui nous faisait sauter ou courir. Quand nous étions à 300 km à l'heure et plus sur l'autoroute, alors qu'on était en plein hiver, il faisait froid, la visibilité était réduite de près de 50%. Tous les risques qui ont été courus. Vous croyez qu'il y avait un grade de général qui faisait voir Si mieux? je comprends bien, général, le titre de général n'a rien à voir avec cette ténacité, cette volonté de mener la révolution. La révolution, c'est ce qui vous pousse en avant et non le titre. Eh, Et j'en veux. pas, Oui? oui, parlant des ambassades, dans ces ambassades, il y avait des femmes, ou bien une femme, une maman. Cette maman a-t-elle un titre de général? Jamais, absolument pas. C'est une maman courageuse alors. Ça veut dire Courageuse. pour mener la révolution, chaque Camerounais a besoin juste de son courage. Simplement. Il a besoin du courage. Et le général Elchenou, lui, il encourage les Camerounais, Ah oui. il encourage tous les jeunes, femmes et garçons de tout âge, jeunes,
vieux, grand-papa, il encourage tout le monde. Il demande à tout le monde d'être courageux parce que sans ce courage-là, nous n'arriverons nulle part. Et fort heureusement, le courage du général n'est pas un courage à arrêter. Merci beaucoup, général, pour cette interview. On va devoir se quitter et je vais peut-être vous laisser le temps de dire au revoir à vos invités. Je vous remercie beaucoup et passez une très agréable soirée. C'était un très grand honneur pour moi de passer ces minutes auprès du commandeur de la Révolution dans le monde entier et des occasions pareilles sont rares. Merci beaucoup, général, et bonne soirée à vous et à vos auditeurs. Merci beaucoup. Avant de partir comme À ça, plus. monsieur le journaliste, avant de partir, j'ai aimé la question sur le grade de général. Et cela me touche droit, me va droit au cœur. Avant de me séparer d'avec le public, le peuple que j'aime beaucoup et que je respecte, je vais comme ça profiter de cette occasion pour dire que le général El Tchénou que je suis, que vous avez fait de moi général, peuple camerounais, je veux solennellement ici vous dire que mon amour pour le combat, mon amour pour cette révolution n'y va pas de mon grade de général. Je veux demander officiellement et solennellement au peuple camerounais de me défaire de ce grade de général à partir de ce soir. Je vais revêtir la casquette du combattant El Tchénou. Je crois qu'elle me sied mieux. Et on verra si mon courage n'aura pas doublé, si ma ténacité ne sera pas quintuplée, parce que sans ce galon, je me porte à merveille et beaucoup mieux encore pour servir. Il n'y a pas de différence. Donc, je remets au peuple camerounais ce grade de général qu'ils m'ont conféré et je revais dès ce soir la casquette du combattant El Tchénou. Souffrez que désormais je sois le combattant El Tchénou. Je crois que c'est mieux ainsi. Les uns et les autres seront tranquilles et rassurés. Le combattant El Tchénou vous dit merci pour ce temps passé et merci encore, monsieur Jean-Désiré, pour avoir accepté de conduire cette interview avec brillantissime. Et brillantissime, tu es quelqu'un de très intelligent. Je vais dire un big up comme ça à la combattante Flore. C'est une femme dynamique. Merci également à Rodrigue, merci à Siani, merci à Level Pass Level, merci à Solange, merci à Depassi, merci à tous ces gens-là qui, dans le secret, dans l'ombre, dans l'obscurité, travaille de jour et de nuit pour que vous ayez le produit fini que vous avez devant vous. Je ne suis qu'un produit fini. Il y a des gens qui me travaillent, qui dorment pour ne pas dormir, pour que je sois debout. Lorsque je dors, ils ne dorment pas. C'est ça, la cohésion. C'est ça, un groupe. Et c'est ça, l'esprit révolutionnaire. Merci beaucoup, Jean-Désiré. Tu es quelqu'un de formidable. Et merci pour ta loyauté. Merci pour ton amitié. Merci pour ta sincérité. Un dernier mot, s'il te plaît, au peuple. Général, et chez nous, Non, ça, pas je pense général. que Je me oui, suis dévêtu de la casquette du général, le combattant est combattant chez nous. Etienne. Combattant est chez nous. Je suis Merci. en train de lire les commentaires. Les Camerounais disent, tu es général à vie. Tu es général de la Révolution. Courage, général est chez nous. L'humilité précède. Mais général est chez nous. Tu restes le général est chez nous. Alors, général de la Révolution, mon général à vie. Alors, général, tu vas devoir m'excuser, mais le peuple refuse de reprendre ton grade. Le peuple est en train de refuser de reprendre ton grade. Ils sont en train d'écrire, général à vie, tu restes notre général. Alors, c'est ça la preuve réelle que personne ne vous a nommé général. Personne ne vous a gradé général, c'est le peuple qui a posé ce galon-là. Et vous avez remis ça solennellement au peuple, et en moins de quelques millisecondes, ils sont tous en train de crier général, général, général. Que
ton grade de général, c'est irrecevable de déposer. Alors, général, écoute-le comme tu as l'habitude, comme c'est comme ça. Aujourd'hui, comme le combattant est chez nous, on peut se tutoyer, mais en tant que général de la Révolution, vous avez le devoir d'écouter le peuple qui vous dit général à vie, général du peuple, mon général, le très grand général, le plus grand général, le général des généraux. Alors, mon général, je suis désolé. Je suis désolé, le peuple n'accepte pas. Le peuple t'accepte comme général et pas autre chose. Le peuple, tu l'as bien dit, tu peux mener cette révolution sans ce titre, mais le peuple a décidé général à vie. Alors, mon général, je pense qu'il n'y a plus à douter là-dessus. Votre mission, vous avez juré mener jusqu'au bout, avec ou sans titre, mais le peuple vous a dit, ça sera avec le titre. Merci beaucoup, général, et à très bientôt. Vive la révolution, vive le combat, vive le RPC, vive la base, vive le Cameroun et vive la liberté et la justice pour tout le monde. Merci Avant de beaucoup, clore, avant de général. chuter comme ça dans cette émission, permettez-moi de saluer quelques généraux respectifs dans les pays que nous avons cités. Je veux comme ça dire un bonsoir particulier au général Jacques Chouanan et au général Sergio Petit Voyageur des États-Unis. C'est très important. Ce sont ceux deux-là que nous voyons et reconnaissons complètement comme étant ceux qualifiés pour conduire le mouvement de la révolution dans sa phase 2. Je vais dire comme ça, citer la révérende générale, la générale Sandy et le général en leader, le général en chef Kemta de l'Angleterre, assisté bien sûr de la générale Sandy, ça c'est très important. Je vais comme ça reconnaître du côté de la Suisse la combattante Maffeu. C'est une combattante dynamique que je vais reconnaître comme ça au niveau de l'Italie, les combattants qui y sont. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas encore de généraux en Italie. Non, pas encore. Et je vais reconnaître également comme ça du côté, j'ai oublié un pays, la France, bien sûr. La France, oui. Nous avons comme ça le général Calibri. Mon ami personnel, celui-là qui fait un travail remarquable. Je vais rappeler encore comme ça que c'est lui qui a conduit des mains de maître la prise d'assaut de l'ambassade de Paris. Il faut donner à César ce qui est à César. C'est très important de le reconnaître et de le mentionner ici, afin que nul ne l'ignore, parce que c'est ça l'histoire. Et la révolution est aussi historique. Donc, je ne vais pas oublier une générale combattante, forte. Ah oui. La générale Salomène Tchaptet. C'est une femme sérieuse, une femme qui aime le combat. Et il y a aussi une générale en France, la générale Marcel, qui travaille très bien. Et une générale des Amazones, bien sûr. Je crois que c'est elle qui assiste Salomène Tchaptet. Et également, qui Salomène Tchaptet assiste Calibri du côté de la basse. J'ai oublié un pays, monsieur Jean-Désiré, non? Non, je pense que le Canada, tu l'as pas oublié, non? Ah, mais le général, j'allais oublier le Canada, comment? On a le général, oh là 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 là, mon ami personnel, Pidjal, le général Pidjal, oui, qui est du côté du Canada. Un salut particulier, beaucoup de courage, général Pidjal, porte-toi bien. Et on se verra très bientôt. Donc, je dis comme ça, mais oui, tu voulais me D'accord, dire? avant qu'on ne clôture, nous avons parlé aujourd'hui de complot et des accusations fabriquées de toutes pièces contre le général. Et le général a rejeté ça de toutes pièces. Et nous devons aussi, avant de terminer, rappeler au public que la base Germany, c'est-à-dire la base allemande, Oui. réitère sa confiance, sa toute confiance au général El Chenou. Le RPC
reconnaît au général Elchenu le leader de la révolution mondiale et en Allemagne, alors nous voulons donc dire ça à tout le peuple camerounais pour qu'il comprenne que le général Elchenu, il dirige et il est respecté et nous l'acceptons tel qu'il est, avec toutes ses qualités et aussi ce qui ne plaît pas aux gens, son audace qui nous sert à chasser ce que nous appelons les mangeurs, ce que nous appelons les prévaricateurs. Alors, général Elchenou, merci beaucoup. Si vous avez un mot à ajouter là-dessus, alors faites-le. Et maintenant, je vais vous laisser à votre grand public. Merci beaucoup. Merci beaucoup, JD. Merci encore, le journaliste. Ce fut un moment exceptionnel. Ce fut un moment sérieux, un moment vraiment intéressant. Et je dis merci encore pour ce temps passé avec toi, ce temps d'échange. Et nous sommes plus que jamais fiers du travail. Et le cap est désormais fixé. Les orientations sont données. Nous avons fini avec cet épisode qui a distrait longtemps les Camerounais. Je veux finir comme ça, chuter en disant que ces accusations ont été rejetées en bloc. Et je les ai niées complètement. Il n'y a aucun viol, aucun attouchement. Tout ça, c'était des affubulations et de la masturbation de certaines personnes qui voulaient déstabiliser le général Elchenou et déstabiliser la révolution. Deuxième chose, c'est que nous avons mis le cap sur Étoudi et le train de la révolution ne va s'arrêter qu'à Étoudi. Désormais, les choses sérieuses ont commencé. Nous avons compris le caractère et nous avons pu identifier quels sont les vrais combattants et ils seront convoqués pour que le travail prenne une direction tout autre. Fini la récréation au sein de la révolution, fini la distraction, fini les rêveries, le temps est au travail. Direction cap donné, étudie et nous allons mener un travail dur et âpre pour y arriver. Merci encore à tous ceux qui se sont penchés, qui ont eu le temps. Merci JD, merci. Nous vous disons totalement merci. Merci à toute l'équipe qui a travaillé derrière pour que ce moment soit possible, pour que ce moment soit rendu ainsi. Je veux dire merci à tous les collaborateurs, merci à tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont été avec nous. Merci encore, Pépin. Merci, l'avocat. J'aime tes écrits, je le dis encore. Et merci à tous. Je vous souhaite une bonne fête pour toutes nos sœurs, nos mères, nos mamans, nos filles, toutes les combattantes, toutes les Amazones. Aujourd'hui, c'était votre journée, une journée spéciale où vous avez été mises en noir pour commémorer les morts du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Nous sommes de tout cœur avec vous. C'est pour ça que votre général également était en noir et je suis avec vous. Je partage vos peines, vos douleurs, vos cris, vos joies. Nous sommes ensemble jusqu'à la destination finale où nous amarrerons le train et nous allons chasser ce tyran, despote et vieillard qui pille et ruine notre pays. Merci beaucoup, Jean-Désiré. Elchenou, le général commandant, leader de la révolution. Merci pour tout. Merci, général du peuple, et à la prochaine. À la prochaine.